C'est très passionnant. Et puis là, depuis une semaine, depuis le début de la semaine, on est tous les jours au stade pour vendre les écharpes. Il y a un engouement autour du match qui est phénoménal. Et quelque part, ça réchauffe les cœurs parce qu'on se dit, il y a du monde derrière nous. Ça en donne presque les frissons. Et remercier tous les gens qui sont vraiment derrière nous, qui ont joué le jeu de venir acheter les écharpes, qui ont appelé pour des places, qui sont... On les sent mobilisés. Et ça, ça fait au cœur. Depuis le déplacement Saint-Réunion, qu'on sent les gens qui se mobilisent pour cette Coupe de France. Et c'est beau. Et c'est très, très, très beau à vivre. Les gars, on est fiers de vous. Et allez pour Paris. Amine, je t'aime, j'oublie jamais. Sur comment va se passer le match. On essaie d'anticiper. Pour préparer, faut garder la même préparation. Si tu changes la préparation, c'est qu'il se passe quelque chose de trop grand et ça peut leur mettre la pression. Donc faut garder, et on a gardé ce qu'on disait d'habitude. On n'a rien changé. Pour nous, pas touché. Voilà. Freed from desire. Mind and senses purify, freed from desire. Mind and senses purify, freed from desire. Mind and senses purify, freed from desire. Na 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 na. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire. Mind and senses purify, freed from desire. Mind and senses purify, freed from desire. Mind and senses purify, freed from desire. Na 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 na. Mind and senses purify, freed from desire.
where it began. I can't begin to knowing. Le choix, bah, bien sûr, il est compliqué pour un ou deux, parce qu'on doit faire un choix de 20 joueurs. Ne participeront pas. Les gars, même si c'est Lyon, même si c'est le Barça, ils ont deux jambes, ils ont deux bras, objectif 16e niveau. C'est juste ça. Parce que demain, je pourrais pas parler, je serais soit trop excité, soit trop concentré. Donc je préfère le dire maintenant. Voilà, les gars. Déjà merci à tous les supporters qui seront présents, que ce soit dans le stade, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé. Voilà, franchement c'est un match qu'on a envie de vivre, ça va être vraiment une bonne expérience. Je pense que voilà, c'est des matchs qui vont rester gravés à vie pour nous. Donc déjà merci à tous ceux qui seront présents. Et puis bah, après voilà, on va essayer de créer l'exploit, on sait jamais, voilà, dans le foot tout ce peut se passer. Donc en tout cas nous on sera motivés, je pense que c'est le petit plus qu'on aura par rapport à eux, voilà, c'est cette motivation. Donc voilà. Je pense que ça va être un bel événement et franchement très content de participer à ça. Honneur au coach. Non, bah, comme on a préparé comme d'habitude, un peu de terrain en herbe, parce que le terrain il sera gras demain. Et voilà, très fier de partager ça depuis 7 ans avec Lulu, des bons, très très bons moments. Des bons moments forcément avec un petit peu, comment dire, comme un vieux couple maintenant. Et voilà, partager ça avec les potes, le staff, tout le monde, donc c'est génial. Bon match. Avec des séances assez chargées, même si on n'a pas eu des très très bonnes conditions. Le travail était fait, bien fait, donc c'est plutôt cool. Confiant pour demain, ils vont être en pleine forme. Bah vas-y. Moi je dis 2-1 pour Tarly. Et doublé de Pierre. Ça, ça aurait été vu, ça aurait été filmé. Hein. Je dirais quoi? Ouais, on va peut-être pas mettre deux buts, mais 1-0, 80e. Sur coup de pied arrêté, tête de Momo Sissé, tu vois. Pronostic 1-1, victoire au tir au but. Un but de PVS au premier poteau, ça spécial. Non, faut le couper ça, parce qu'après les autres équipes seront aussi spéciales. Moi je pense que ça va faire un partout. On va être mené pendant un bon moment. On va égaliser à la fin parce qu'il sort de chauffer un peu le public. Et au pénalty, je vois bien Momo marquer le dernier but sur pénalty. Mais ça, ça implique que c'est le dernier qui tire par contre. 0-0, on gagne au pénalty. Pronostic. Moi je dirais un partout. Et après victoire au pénalty. Pour l'équipe du CAP, et je donne victoire 2-1. Une victoire. J'ai pas de pronom particulier, mais une petite victoire, ça ira très bien. 0-0, victoire au tir au but. La Rocha qui met le 7ème tir au but. Paf. 1-0, 77ème minute. Ben, prêt, oui, mais l'adversaire est prêt aussi. On verra. Faut pas se prendre la tête. Et puis, tu pourras demander à un moment qu'il me donne son maillot, s'il te plaît. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. Ben c'est un match forcément spécial parce qu'on reçoit l'Olympique Lyonnais qui est un des clubs mythiques de la Ligue 1. Pour nous, amateurs, ça fait
forcément rêvé. On les reçoit dans un stade de 10 000 places qui sera plein, qui sera complètement acquis à notre cause. Donc on est tous hyper motivés, hyper excités du jour du match. Après voilà, c'est, on reste des compétiteurs, donc forcément le match on va le jouer pour le gagner, mais il va falloir réussir à y profiter de tout ça parce que ça nous arrivera peut-être plus jamais, mais aussi à rester assez concentré pour pouvoir jouer le match et n'avoir aucun regret. Mais dans tous les cas, avec toute la préparation, que ce soit pour le club, les supporters, les bénévoles, etc., peu importe le résultat, ce sera une belle fête. Fucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life. Dans ce type d'avant-match, il y a des fruits, des féculents, des potes, mais là en l'occurrence il n'y en a pas. Du coup, ça a été un petit pain avec du beurre et de la confiture. Et voilà. Petit yaourt, pomme. Non, il n'y a pas de Nutella, il n'y a pas de Nutella, c'est bon. Yaourt, pomme, pain, jambon, et c'est tout. Une pomme. Ils ont tout mangé. Voilà, chaud. Voilà. Et 2-3 dates, et c'est tout. Ouais, petit verre de jus, des fruits et un peu de fromage. Tout simplement. On me voit ? Oui, de l'eau. Voilà. Si, il a bien mangé. Ça a été une catastrophe. Bon, qu'est-ce que j'ai pris ? Les fruits, mandarines, un brique de sec. Derrière, du fromage. Important. Et puis un petit gâteau avec du chocolat dedans. Et puis voilà. Petit avocat, tranche de pain, beurre, fromage, petit yaourt, petit compote, petit abricot. Alors moi il y a du jambon, du Nutella, une petite madeleine toast, un petit chocolat chaud, une banane, une bonne compote à la fraise. Bah pareil, un petit cappuccino, un fruit, des tartines, voilà, simple, efficace. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un peu de tout. Il y en a pour tous les goûts. La dinde, de l'avocat, du comté, du curry, une compote, des dates et du Nutella, voilà, pour faire un bon match. Oui, je fais l'intendant, donc je vais très tôt au stade pour pallier à tout ça, quoi, bien être sûr, m'assurer que tout soit bien dans les bus pour, quand on part en déplacement, même à domicile, je viens très tôt, comme ça j'ai le temps de bien préparer tout le matériel. Puis, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Il fait super beau, il y a soleil, ça fait plaisir. Bien un bon 15 degrés, donc les conditions idéales pour un bon match de football. Ouais, j'espère que tout le monde va faire oh 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 la musique de l'hostel. Et après tout le monde fait oh oh oh. Comme au biathlon, si les gens suivent le biathlon, ils peuvent aller voir ça. Super. Là je suis full cohésion, ça se voit, j'ai surtout froid, oui. Il fait très très froid à Besançon. Donc ouais, full cohésion comme tu dis. Il fait très froid. C'est là j'anticipe. Rota, c'est la star de la vidéo. Tu vas remettre un reportage sur moi. Voilà, dès qu'il y a une connerie à dire, il y a Thomas qui est là. Est-ce que des baskets ou pas sur le banc les mecs? Je sens que l'équipe est plutôt décontractée. Ça va se tendre un peu dans les vestiaires.
Mais j'ai une bonne intuition, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Le plus important, ça va être de tenir le score le plus longtemps possible et puis de prendre du plaisir et puis de croire en la qualif, parce que tout est possible. Et bah ça va nickel, je suis impatient de jouer, vraiment hâte. Un peu excité depuis ce matin. Et puis bah d'y être quoi. Pour cette préparation de la Coupe de France, au final, on a fait un petit peu comme d'habitude. C'est-à-dire que les joueurs viennent au cabinet sur des créneaux prévus à cet effet. Et puis, on les prépare au mieux, on essaie de gérer les blessures, de leur donner des conseils pour optimiser leur récupération, etc. Et du coup, encore, comme d'habitude, mais encore plus qu'avant, les joueurs étaient vraiment engagés dans leurs soins et dans leur récupération. Donc, on va dire pas de gros changements par rapport à d'habitude, on reste sur la même formule. Oui, jour J, ouais, préparation d'avant-match, on est là, donc à l'hôtel, on se prépare pas loin du stade. Rituel d'avant-match, un gros petit déjeuner pour préparer ce bel événement. Donc, nos parcours de Coupe de France, voilà, ça se mérite. Ça commence par des petits et puis ça tombe sur un gros. C'est tout ce qu'on attendait. C'est une fête pour le club, pour les bénévoles, pour les joueurs, et plus pour les joueurs quoi. Donc je pense que ça sera une belle fête. Merci à tous. Merci. Allez, c'est un peu. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when hey, I bro! Run away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray.
it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Il faut parler au président des équipements là, on rivalise pas sur les équipements. En forme, j'ai levé depuis 6h du matin là, on est en forme. Du coup là il a fait tout, il a fait du foot comme ça. Ouais, il est cherché le bois. Ouais, Milou fait du feu. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. En sachant que Moreira est plus gaucher, c'est un joueur de vitesse et vite avec le ballon, donc il peut jouer côté gauche et Cherki côté droit. Voilà. Après, l'option aussi, c'est A4 avec Koumbendila, avec Lucas, Kiki, Rebza et Pierre sur les postes de défenseurs centraux, Maxence et Emilien sur les postes de piston. Max Momo plutôt placé comme ça. Après, on verra si par exemple on serait mieux en 3-5-2. Ramener Jérémy à l'intérieur avec Momo plus avec Jérémy et puis Bobo ici ou inversement. Et puis Joe à côté de Sabri. Pour l'instant, on part là-dessus et on reste là-dessus. Voilà. Et là, la tête. On a 10 000 personnes qui vont être avec nous pour vous pousser à le faire. Vous devez rencontrer une tour de fou de toi. Si vous tombez fou de toi. Mon cœur s'est emballé. Mon cœur s'est emballé. Le projet qu'à toi. Cet écart de niveau, ça ne doit pas être un frein. Bam, lucide, tranquille, jouer en compétiteur, et on sait que ça passe par le surpassement. Ça brûle, ça fait mal, mais aujourd'hui ça fera mal tout le temps. C'est le don de soi, et je dois le faire pour mes potes, à côté de moi. Et ça, pour ça, c'est le plaisir de partager, même la souffrance. Plaisir de partager la souffrance et être toujours positif. Si on a un point où on doit être plus fort qu'eux, c'est la solidarité. Aujourd'hui, Cherki a rien à foutre de la casette parce qu'il sait qu'il va jouer contre, je ne sais pas qui, Courté, Amine, ça va, ils ne les connaissent même pas.
Donc si l'autre le fait chier à mettre un ballon à 2 mètres ou à 3 mètres ou qu'il lui donne pas, on a foutre, on passera à l'autre, puis je passerai au Wab la semaine prochaine. Vous non. Vous, tout le monde est positif. Si Joe, il n'a pas le ballon, puis qu'il commence à faire ça, et puis à se prendre la tête avec un tel, c'est mort. Donc aujourd'hui, tout est positif. On fait tout ensemble. On fait tout ensemble, les gars. Et on reste soi-même. Avec les erreurs, avec... Vous êtes des joueurs de N3. Moi, j'ai des joueurs de Ligue 1. Ben, on ne va pas se transformer aujourd'hui. Par contre, on va le faire ensemble. Et pourquoi les équipes conversent les autres? C'est ça. Pourquoi tout le monde croit à Pontarlier en Franche-Comté? Pourquoi tout le monde nous déteste quand on joue Pontarlier? C'est ça. C'est parce que vous êtes des potes. Vous êtes des potes sur le terrain, mais vous êtes des potes en dehors. Et ça, ça doit se voir. Ça, ça doit... On doit le voir du banc, de derrière. Ça, c'est des... Voilà. Il y a tous ceux-là qui sont là. Et puis, il y a Paul Chopard que j'ai éliminé au dernier moment. Et puis, il y a tous les réservistes qui sont là-bas au-dessus avec les drapeaux, mais qui pensent, et qui pensent bleu, et qui pensent pour vous. Parce que ce match-là, autant eux, dans 5 ans, ils ne savent même pas qu'ils ont joué Pontarlier, autant vous, ça restera à vous. C'est dans vos vies. Ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est dans vos vies. Ça reste. Ça reste, les mecs. Ça restera tout le temps. Donc, ben ça, je dois le vivre à fond. Je dois le vivre à fond. D'accord. Voilà. Bon match à vous. Bon match. Je serai un peu plus courtois quand même. J'ai rien préparé, je voulais juste vous dire quelques trucs. Le tout premier, bah profitez. Vous savez comme ça me touche de ne pas jouer avec vous. Par contre, j'ai énormément confiance en vous. En tout cas, dans la suite de vidéo, il y a vraiment du bruit les gars, profitez. Et là on est à 2h de la qualification, on est à 2h de Paris les frères. Vous allez le faire, je vous aime. Oh, yeah.
peut-être une première opportunité pour Pontarlier de se mettre en avant et surtout dans le camp lyonnais. Et Mohamed Cissé pour une remise peut-être sur un côté. En tout cas, il faut le lever ce ballon et mettre le danger dans la surface de réparation d'Anthony Lopez. Un petit peu long ce ballon, mais il y avait de l'idée avec Maxime Bonnet qui... Tagliafico, Lacazette, Tagliafico, tacle parfait de Cissé. Dangereux mais parfait, dangereux par rapport à la proximité de la possibilité de faire une faute et début à face. Ouais, exactement. Là, il était sûr de son timing. On a vu Cissé, pas eu d'hésitation. Regardez, ouais, bien joué. La jambe très. Oh, bien joué ça, le ballon, bon ballon. Attention, attention, peut-être il est bien sorti, Lucas Puisson. Encore une peut-être. Bien joué ça. Ouais, il est parfait. En deux temps, il a capté ce ballon. Je vois une minute, a priori, de temps additionnel. J'aurais pensé un petit peu plus. Ouais, quand ça, même. Ça me paraît peu aussi. Voilà, il est là dans Lacazette. Il va avoir tout son temps pour centrer. Oh, Cissé qui renvoie ce ballon. Et là, c'est attaque-défense là pour voilà, ces derniers instants, ces dernières secondes en première mi-temps. Et je vous confirme, il y a une minute de temps additionnel pour cette première période. Il restera deux minutes alors. Une minute dans le. Oh là, Ryan Cherki tout seul. Tout seul. Ah, bien voilà. Joué, ça, là, cette fois. Ah là là, quelle erreur c'est, quel dommage. Juste avant la mi-temps, Ryan Cherki cette fois ne laisse pas passer l'occasion. C'est à Pontarlier de sortir maintenant, d'aller le chercher, de remettre la pression. Forcément Renaudin, attention. Oh, Jacob Ryan qui s'en sort pas trop mal et il a vraiment des cannes hein, ce Jordan Renaudin. Ah mais ils ont beaucoup, beaucoup puisé en première période. Maxence Cacré qui est suivi là par Maxime Bonnet. Oh dommage s'il lui dans bien mis derrière. Cherki, Lacazette, Bedi. Oh oui, ah, bien joué. Ah, techniquement c'est juste parfait là ce que vient de faire l'Olympique Lyonnais avec le but de l'international. Retrouver un semblant de jeu, un semblant de football, c'est plus limpide. C'est plus surtout ça presse moins hein, du côté de Pontarlier. Oh le bon ballon, oh, le bon ballon. Magnifique. Ouais, là, attention maintenant parce que ça pourrait défiler. Bien démarrer l'année par ce 32e, même s'il n'y aura pas la qualification au bout. Sacré souvenir face à l'Olympique Lyonnais et enfin peut-être oui le premier tir cadré du match signé de Emilien Monnet. Regardez cette frappe, ouais. Elle était cadrée. Et Anthony Lopez qui va faire la parade, voilà. Et voilà. Tous les ballons passent par lui. Wow, elle était parfaitement cadrée cette frappe. Alors messieurs, il n'y aura pas de temps additionnel dans cette fin de match à la demande du capitaine de Pontarlier. On va s'arrêter sur ce score de 3-0. En tout cas, on a vu une belle frappe d'Enrique, le nouvel entrant. Il n'a pas souvent l'occasion de briller en attaque. Et vous le voyez, les deux présidents réunis côte à côte parce que c'était la fête du football, c'est la Coupe de France. On le savait hein, qu'il y avait une énorme différence de niveau entre ces deux équipes, mais... C'est la fin de ce match et de ce 32e de finale. La poignée de main est même bien plus entre deux présidents qui se respectent. Bertrand Gabry, le président du CA Pontarlier et John Textor. Voilà, ils n'ont pas à rougir de cette défaite 3-0. Ils ont fait le travail. On a imaginé peut-être un scénario à la Coupe de France dans les 44 premières minutes. Et puis finalement, on le voit sur la droite de cette image. Il y avait un homme qui était au-dessus des autres. Au-dessus des 22 présents sur cette pelouse, en tout cas en début de ce match, Ryan Cherki. Attention.
citoyen. Merci la sécurité. Ah voilà, ça c'est un bon maillot. Ah mais là, numéro 6, on est sur la photo. Numéro 6, on va prendre une photo aussi. Voilà, Donc beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté pour sur l'engagement, sur leur motivation. Ils ont tout donné. On les attendait là où on les attendait, ils ont répondu présent, donc pour nous c'est que du bonheur. On n'avait aucun doute sur eux, et puis surtout ils ont donné une belle image du club, une belle image des valeurs qui sont inculquées aux gamins. Et puis c'est, voilà, ils ont donné des souvenirs, et puis ils ont donné des rêves aux futurs gamins, aux gamins qui étaient là, donc ça c'est, pour nous c'est réussi. Donc je les aime, et puis tu leur fais un gros bisou. Et puis Le match, moi je suis content quand même. Après 3-0, c'est un petit peu sévère. On s'attendait à ce qu'ils nous respectent, donc c'est cool. Après, ben voilà, 10 000 personnes, on avait l'impression, comme disait le coach, dans les vestiaires, 10 000 personnes, on avait l'impression de connaître tout le monde à chaque place, donc c'était génial. Et puis après, un grand bravo à tout le groupe et à ceux qui n'ont pas participé aussi, de nous avoir emmenés au 32, et à l'année prochaine, 32 et plus. On a fait un bon match. Après voilà, on prend le but un peu avant la mi-temps qui nous fait mal, mais bon, c'était une superbe expérience, on a fait un beau parcours, et puis essayer de repartir pour de nouvelles aventures l'année prochaine. Non, super match. Super match, super événement, c'était cool. Il y avait du monde. Merci à tous ceux qui sont venus. Je peux dire, content du match, content que les supporters soient venus en masse comme ça. C'était voilà, un gros moment, et on espère en revivre d'autres. Déçu de la défaite, mais très fier du match, de ce qu'on a fait, de l'ambiance qu'il y avait. Je pense qu'on n'a pas été ridicule sur le terrain. Je pense qu'on a rendu fier tous les supporters qui étaient là aussi, donc ça a été une belle façon de les remercier pour tout leur investissement, le club, les supporters, les bénévoles. Et je pense que ça a été une belle fête malgré la défaite. Donc, on est content quand même. Bah, du coup, c'était un très bon match. Je trouve quand même qu'on a été bien compact au départ, on est resté ensemble, on s'est bien défendu. Après, on prend un but juste avant la mi-temps, c'est forcément pas l'idéal, ça nous a plongé un peu. On a essayé de se remotiver dans les vestiaires, mais ça se voyait qu'en fait, de retour sur le terrain, voilà, ça a un peu craqué, on avait un peu plus d'écart entre les lignes, et forcément, ça, on a concédé le deuxième et le troisième but. Et après, voilà, on jouait pour ne pas en prendre plus, mais c'était très compliqué. Passons ici, tous ceux qui ont été aujourd'hui au stade, tous ceux qui nous ont suivis par la télé, et surtout... Ouais. Juste un grand discours pour toutes les personnes qui ont fait pour le club, qui ont organisé l'événement, le président Bertrand Gabry. Antoine Mérinissi. Gigi Comte. Tout le comité. Qu'on fait un boulot aussi. Et juste vous dire de toute l'équipe un grand merci. Mais mille merci pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Merci.
C'est lui le plus grand comique. On n'a pas tous des boulots où on peut poser des jours. Demain, il y en a qui bossent. Hein. C'est ça la fonction publique. Hein. Tu peux rappeler ton métier. Professeur de PS. 18h par semaine. Mes élèves m'attendent demain à 8h pour faire tennis de table. Si je suis pas là, ils vont pas être contents. Hein. C'est concret. Je ne m'attends pas la peine d'attaquer le match. Mondro. Orange. On mettra pas les paroles. Ça marche. Je suis pas fait pour les caméras, moi. Momo, il est fait pour les caméras. Demande à Momo si tu veux un truc. Momo, wow. Il boit en plus, trop stylé. Ça va pas le survêtre du club. Ah bah. Fierté. Non, mais faut attendre. En communique, moi j'ai fait un stage de com. Écoute, t'as coupé. Alors j'ai fait un stage de com où on me dit faut laisser 3. Ouais, pas encore moi. Stop. Stop. Stop.